Le coup d'envoi de la deuxième sortie pour l'équipe de France après la victoire magnifique face à la Lituanie, marquée notamment par une défense de fer et des montées de balles supersoniques. Les Bleus vont tenter de confirmer en Roumanie, dans le nord du pays, à Cluj, où la Roumanie va essayer, elle, de réagir après une gifle reçue au Portugal. 13 buts simplement inscrits. Les Roumains ne vont pas devoir être des victimes expiatoires, sinon la correction risque à nouveau d'être cinglante pour les Roumains. Si vous ne mettez pas ces fameux ingrédients, hein, c'est-à-dire l'engagement, l'envie, le sérieux, la concentration, eh bien vous êtes en danger. Possibilité pour Quentin Mahé en contre-attaque. Oh, là, toujours pas incroyable. Mihai Popescu. Allez, Nedim Remini. Incroyable. Le festival. Popescu. Exceptionnel début de rencontre. Et Nicolas Tourna commence à être bien connu. Ouais. La prise à deux systématique. Ouais, ça va créer des espaces. C'est très propre. Ouais, oh, incroyable. En lévitation. C'est le sixième. Hein. Popescu. Le sixième arrêt de Popescu. Et alors à chaque fois... En duel, hein, clair et net avec Nicolas Clerc. Chaud, brûlant. Et derrière sa marque, 4-0 en faveur de la Roumanie. Bien. Empêché chez Preghi. Faute offensive. Un coup à jouer dans le jeu rapide. Sur le jeu rapide peut-être. Trouver une solution. Allez. Avec Nicolas Clerc. On repasse par Adrien Dipanda. C'est lui qui connaît le mieux. C'est parfait. Popescu. Enfin, après 10 longues minutes interminables, l'équipe de France trouve le chemin des buts. Il en a fallu du temps. Et Adrien Dipanda se retrouve un petit peu seul derrière son pivot. Et Nedim, le joueur le plus insistant. Va tout faire. Hein. Ah oui, le troisième but sur les quatre au total. Avec Grigoras. Allez, bonne défense de Luka Karabatic. Nedim Remili. Servi par Dikamem, la filière gauchère. Ah oui, clairement. Fonctionne à merveille. Et voilà, enfin, les Bleus revenus à hauteur. 9 partout. Sincèrement, cette base arrière, alors même si Quentin Mahé n'a bien pas joué. Été... Allez, Nedim. Super ballon gratté. Allez, Nedim, jusqu'au bout. Très bien joué, Nedim Remili, qui a été un des grands artisans de la charge sonnée par les Bleus. Ah, regardez, ouais, c'était la confirmation. CQFD. Oh, super. Quel à côté là. Magnifique. Quentin Mahé. Oui, tout à fait. Et sur le banc, ça peut être... On va suivre l'action. Et l'arrêt de Vincent Gérard, celui-là fait du bien. Très bien. Ouais, le capitaine, hein, je vous donne un indice, oui. C'est facile. Allez, s'il faut la mettre, allez, celle-ci. Voilà, c'est justement bien. Le meilleur buteur sur le terrain. Marque enfin dans cette partie. 303e but. Oui, le tir raté et la récupération. Direct. C'est bien. Vincent Gérard, le kung-fu. Parfait. Super. Avec Ludovic Fabregas. Changement de direction et l'intervalle est trouvé. Superbe réalisation. Ce qu'on disait, en maîtrisant totalement le rythme du jeu, la passe compliquée. Oh, allez, superbe, le parfait. Kung Fu et derrière Valentin Porte. Très très bien joué. La superbe vista de Raphaël Cocheteux pour l'aile opposée. Et les Français qui régalent, hein, c'est très bien fait. La passe sautée de Melvin Richardson. La passe à l'opposé de Raphaël Cocheteux et le Kung Fu pour terminer. Nicolas Clerc, c'est bien. Voilà le Nicolas Clerc qu'on a envie de voir avec énormément de qualité. Et on va en rester là. L'équipe de France a lutté longtemps sans être trop inspirée pendant 10 minutes. Et puis la machine s'est réveillée doucement, tranquillement. Dikamem a été un des détonateurs de cette équipe de France version diesel. Mais l'essentiel est là pour les Bleus, qui vont désormais se projeter sur le Mondial au Danemark et en Allemagne. Deuxième victoire en deux rencontres pour les Bleus, à égalité en tête de leur poule avec le Portugal.